Eh, hey, tu comptes me donner match une quand, toi? Bientôt, bientôt. Non, attends, attends, ça fait trop longtemps que tu me dis ça. Mais là, j'ai eu un problème. Non, tu veux me rendre cas? Eh, je vais te niquer ta race, hein. Mais non, attends, attends, eh, je vais te niquer ta race, moi. Eh, je rigole pas avec moi. Eh, je vais te fumer, eh, sérieux. Attends, attends. Quoi? Y'a ta matière, y'a ta matière, y'a ta matière. Être un lascar, traîner dans le tiercar, faire mon genre, errer dans les rues tard le soir. Mais tu ne sais pas, quand je rentre chez moi, ce que ma mère me fait voir, elle me rappelle alors. C'est sur moi parce que ma chambre est en désordre. Je vois mon grand frère qui gaulerie, ça ne l'ennuie pas pour une fois que c'est moi et pas lui. Putain, c'est hoche, je sens que c'est ma fête aujourd'hui. En plus, je suis aigri, elle m'a vu embrouiller Thierry. J'essaie d'expliquer, ma mère me dit tais-toi, c'est pas bon. Ce soir, j'ai prévu d'aller en réseau. Elle me dit non. J'appelle mes potes pour leur dire m'attendez pas, je suis Tikva. Mon ref se moque de moi, jure qu'il fera la tête pour moi. Je dois accepter de plier, de me trouver, sinon je serai bon pour passer la nuit sur le palier. J'ai beau être un hoche, mais avec ma mère, y'a pas moyen. Pas moyen de parler plus fort qu'elle, y'a pas moyen. J'ai beau être un hoche, mais avec ma mère, y'a pas moyen. Pas moyen de parler plus fort qu'elle, y'a pas moyen. Ça y est, encore une fois, la clé est sur la porte. Tous les soirs après minuit, ma mère agit de la sorte. Je devais rentrer pour 10h, mais donc Tata et Régis balance les vannes et oui, dis renvoie les balles comme un bon joueur de tennis. Là, je me dis, t'as vu l'heure, gars, tu vas te prendre pas de ça. Je sais, gars, lui dit que je suis majeur et vacciné, donc pas de ça, basta. Ouais, gars, je suis reflect, les mecs sont impressionnés. Mais pas plus que moi maintenant, je sais que je peux pas rentrer sans sonner. Oui, dis la crapule, oui, dis le sale gosse flip. Je préfère encore affronter un escadron de flip. Je frappe à la fenêtre de mon frère, doucement, plus violemment. L'enfoiré dort du sommeil de l'enfant, cherche la tchatche qui pourrait me sauver. Mais plus j'attends, plus je sens que mon cœur ne fait que s'aggraver. Zing, zing, le geste est fait, caramé se fait. Qui veut bien me remplacer face à ma remède? Le lendemain, mes potes me demandent si tout s'est bien passé. J'acquiesce, mais s'ils savaient que j'avais pris la fessée. D'ailleurs, chez qu'au fond d'eux, ils connaissent la fin. Parce que dans la ville, tout le monde sait qu'avec ma mère, y'a pas moyen. J'ai pas de clé, c'est charmé, faut pas rentrer, j'suis emmerdé, j'peux pas sonner. Non, avec ma mère, y'a pas moyen. J'ai pas de clé, c'est charmé, j'peux pas rentrer, j'suis emmerdé, wow, j'peux pas sonner. Non, avec ma mère, y'a pas moyen. Dehors, je fais ce qui me plaît, c'est-à-dire rien de concret pour ma remède. Elle voudrait que je passe plus de temps à la zone, mais la tête est plongée dans les documents. T'inquiète, maman, je prends 2 minutes de divertissement et roule des yeux, ce qui signifie qu'elle devine mon jeu. Et là, y'a pas moyen. M'inculque le respect des doyens. Me rappelle qu'elle m'a fait, qu'elle peut me faire retourner d'où je viens. Ainsi j'apprends que la raison de cet énervement est que mon carnet n'est pas satisfaisant. En plus hier, elle était convoquée, ce qui équivaut à la provoquer. Elle m'a compliqué la vie. Ah, j'ai beau expliquer, j'ai des ennuis. Quand je rentre le soir, je trouve mes affaires sur le trottoir. J'ai oublié de rentrer ma chambre avec ma mère, y'a pas moyen. Quand je rentre le soir, je trouve mes affaires sur le trottoir. J'ai oublié de ranger ma chambre avec ma mère, y'a pas moyen. Te rappelles-tu des réunions prof-parents? Pour moi c'était le cauchemar, donc loin d'être marrant. Après 2 ou 3 visites chez ces enculés, ma mère menaçait de me tuer, de m'émasculer. Manquer fanchou, eh ouais. Seigneur, je t'en supplie, allons voir le prof d'anglais. Y'avait quelqu'un qui pouvait me couvrir de félicitations, mais trop tard comme la section, elle ne pense qu'à m'infliger la sanction. J'avoue que ces heures de calvaire m'ont fait progresser, aussi bien pour mon vaitra que ma façon de penser. J'ai compris depuis plus qu'elle était mon garde-fou, mon ange gardien. Et lui tenir tête même aujourd'hui, y'a pas moyen. Ce soir, réunion parents-prof, je sens que ma mort est proche, ma mère aussi, avec elle, y'a pas moyen. Ce soir, réunion parents-prof, je sens que ma mort est proche, ma mère aussi. Avec elle, y'a pas moyen. Y'a pas moyen, pas moyen, pas moyen, pas moyen. Pas moyen, pas moyen, pas moyen. Y'a pas moyen, pas moyen, pas moyen, pas moyen. Pas moyen, pas moyen. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen, non. Y'a pas moyen, non. Y'a pas moyen, non. Y'a pas moyen, pas moyen. Y'a pas moyen, pas moyen, pas moyen, pas moyen.